Bonjour à tous, au programme les tarifs de la Mercedes classe S cabriolet, le Ford Autonome à l'assaut des routes américaines et le Bentley Bentayga de A à Z. Avance la M4 GTS sur le Nürburgring. Pour jauger des performances d'une sportive, ce que préfèrent les constructeurs, c'est la Nordischleif, autrement appelée boucle nord du Nürburgring. Un circuit situé en Allemagne où 73 virages se succèdent sur près de 21 km. C'est le tracé étalon par excellence pour se mesurer à la concurrence. Dernièrement, la M4 GTS y a fait un petit tour. Alors, quel est le chrono-canon du bolide aux 6 cylindres à injection à eau de 500 chevaux Mystère BMW demande même aux fans de trouver la réponse exacte. Ce que l'on sait de sources sûres, c'est que le temps de l'Allemande se situe entre 7 minutes 27 secondes et 51 centièmes et 7 minutes 28 secondes et 49 centièmes. Les paris sont ouverts, réponse dans quelques jours à peine. La carrière de la Marseille Classe S Cabriolet est officiellement lancée. Le premier exemplaire de la luxueuse berline décapotable vient de quitter les chaînes de l'usine de Sindelfingen en Allemagne. L'occasion pour le constructeur à l'étoile d'envoyer la note. Mise à prix 153 900 euros pour la S500, dotée du V8 de 455 chevaux et de la boîte automatique à 9 rapports. Les équipements sont les mêmes que sur le coupé, avec pêle-mêle climat automatique, GPS Europe, démarrage sans clé, sono de 590 watts, mais aussi phares intelligents et détection de piétons. Plus exclusive, la S63MG avec son V8 de 585 chevaux, sa boîte auto à 7 rapports et ses 4 roues motrices. Tarif 202 600 euros. Le système de chauffage de nuque et les sièges avant-climatisés sont d'office proposés sur le cabriolet. En revanche, mesquin, le déflecteur d'air au niveau du pare-brise et le filet anti romous sont en option à 1200 euros. Les recherches autour des véhicules autonomes se poursuivent chez Ford. Elles vont même prendre en 2016 une nouvelle dimension puisque les Mondeo hybrides vont pouvoir rouler sur de vraies routes. Jusqu'ici, le constructeur menait ses tests au sein du complexe de M City, une ville en carton-pâte de 13 hectares située au sein de l'université du Michigan. Désormais, c'est en conditions réelles, sur les routes de l'État de Californie que le travail va se poursuivre. L'occasion de mettre à l'épreuve son système de détection des piétons capable d'adapter la trajectoire du véhicule en fonction des réactions, même les plus surprenantes, des marcheurs. Ford espère ainsi commercialiser son premier véhicule autonome dès 2025. D'ici là, le SUV Bentley aura presque 10 ans de carrière. En attendant de fêter cela, retour sur la naissance du baroudeur. Dans une courte vidéo, le constructeur britannique relate une partie de l'histoire de son modèle. De ses premiers coups de crayon à sa fabrication et la sortie d'usine du premier exemplaire, en passant bien évidemment par ses multiples phases d'essai sur piste et dans des conditions extrêmes. Pour mémoire, le Bentayga est annoncé comme le SUV le plus rapide du monde avec une vitesse maxi établie à 301 km/h grâce à son W12 6 litres biturbo de 608 chevaux, un modèle dont le prix devrait s'établir à pas moins de 200 000 euros. À demain!